formation des conseils. Donc, RCA, la responsabilité des responsables légales et la solution. Question des réunions de l'économie. Le 2020, conformément aux articles 39, sur la marche des affaires de la communauté des membres effectifs, aux chers imams qui en manifestent ses amis provinciaux pour rencontrer son éminence, cher Abdallah Mordemé-Bendé, conformément aux articles de transaffaires de la commune. Ses amis provinciaux pour rencontrer son éminence, cher Abdallah. En ce qui concerne l'entité du Grand Katanga, nous connaissons qu'il y a un répondant statutaire de la communauté qui est sur place, qui est donc son chef d'entité. De mon point de vue, j'aurais souhaité que, de manière expresse, il soit cité dans cette résolution. Extraordinaire de la communauté de Kinshasa du 28 octobre au 1er novembre 2022. Nous, membres du Conseil national des ministres, réunis en session extraordinaire du 28 octobre au 1er novembre 2022, conformément aux articles 39, 40 et 41 des statuts régissant la communauté islamique en République démocratique du Congo, pour statuer surtout en matière importante, à savoir 1. Les leçons à tirer de l'arrêt RCA 37-446-37-447-37-493-37-515 sur la marche des affaires de la Congo. 2. Comment réaliser l'unité et la réconciliation des musulmans et tourner à jamais le dos à la division et au conflit. 3. Les perspectives d'une nouvelle assemblée générale serait-il invisible. Après avoir passé au point de fin, les contours des matières ayant poussé à la convocation du Conseil, nous avons retenu les résolutions suivantes. 1. Par rapport aux leçons à tirer de l'arrêt dont RCA cité vous sur la marche des affaires de la Conico. Le premier point, la première leçon à tirer de l'arrêt, c'est que l'état des droits est en marche en République démocratique du Congo. 2. En réhabilitant son éminence et Aïmouïou dans sa responsabilité de représentant légal, la réplicité remet la Comico sous le régime des statuts de 2018 en vigueur avant la confusion de 2020 et qui, seuls, vont régir la Comico jusqu'à la prochaine Assemblée générale élective. 3. En réhabilitant chez Aïmouïou, l'arrêt à l'office réhabilité toutes les personnes qui œuvraient avec lui dans les organes de la Comico. 4. Conformément à l'esprit de l'arrêt, aucun effort ne doit être ménagé pour l'inclusion de tous ceux qui désirent se joindre à la gestion de la Comico. 5. Les assemblées générales de janvier et de mars 2020 ayant été maire du jour de la révolution, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète, ses compagnons, sa famille et tous ceux qui vont suivre le droit chemin jusqu'au jour de la révolution. Amen. Nos remerciements également au chef de l'État pour rendre effectif l'état du droit dans notre pays. Que Dieu lui facilite la tâche. Amen. Et nous implorons à Allah qu'il puisse lui donner la force de briguer encore un second mandat. Amen. Nos remerciements aussi au vice-premier ministre de la Justice,
secrétaire général de la justice et au directeur ici présent, qui nous ont accompagnés du début jusqu'à la fin. Et c'est Allah qui va les bénir. Nous remercions aussi tous les participants qui ont répondu présent à notre appel. Et surtout, à Maman Aziza Koussoum, qui a fourni plusieurs efforts afin que ces assises soient effectivement matérialisées. Je serai très heureux parce que tout a été déjà dit dans les résolutions. Et à ce qui nous concerne, c'est maintenant de mettre en œuvre par l'appui d'Allah. Ensuite, nous demandons l'appui de l'État congolais et votre soutien aussi. Inch'Allah. Et je vous promets que nous allons suivre pas à pas tout ce qui a été dit. Et je vous remercie. Et ouais. Et nous sommes venus derrière vous, et nous sommes tout avec vous. Vous avez vu la présence de ces secrétaires ici. Et à la clôture, moi-même, je ne vais pas être pessimiste, mais je suis pour le optimiste. C'est parce que j'ai toujours été avec vous. Toutes les assemblées et j'ai toujours été avec vous. Et puis que je suis au officier de la justice, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours participé à vos assemblées, à vos réunions, chaque fois. Je vous connais, il y a beaucoup d'années qui ont été associés. Aujourd'hui, je suis très content. Je n'ai pas beaucoup de mots à vous dire, mais je vais vous dire lors de la semaine. Je vais résumer ainsi. Et j'invite au chef de l'eau, le chef de l'équipe, qui avait ouvert ses places pour que vous les bloquiez. Je vous remercie. Je vais parler sous votre contrôle, parce que vous avez dit que vous êtes même là. Je viens, ou nous venons à peine de suivre vos résolutions, chose que, particulièrement en tant que représentant du ministère et sous les contrôles directeurs, nous sommes très contents parce que vous avez misé sur un point qui est limité. Il y a un adage qui dit « un bois donne de la fumée, mais deux en donnent du feu ». C'est que seul, on ne pourra rien. Mais avec l'autre, la contribution de l'autre, on va faire quelque chose. Et c'est ça même la quintessence, le bien fondé d'une association sans but lucratif. Parce que si l'on voit bien le dispositif de nos lois, il est impossible qu'un individu seul crée une sphère ou une communauté. Il en faut au minimum 7. C'est pour tout simplement dire que l'autre a aussi son importance. C'est pourquoi, prenant la parole, et je le répète encore sous le contrôle de ce directeur, chargé d'équipe et association, je vais vous expliquer. Bon, normalement, ma tendance, c'est Zalaki Awa, Nyonso, acteur Zalaki Awa, mais quelques-uns, Boyaki. Balinga Kité, ils ont eu des invitations, mais pour le moment, je peux dire que oui, tous ensemble, même si l'idée est à nous, à mon côté, mais nous allons acheminer na Ndenge ya Malamu, na Makasi ya Nzambe. Bon, message que vous avez ya Bolingo, na ya Kimia, na ba musulmans nyoso, peut-être que c'est un peu na ba kozi amboka. Ba accompagner biso tito achemine na ndenge moko ya malamu apaisé ya kimia na kati ya ba assemblée oyo koya. Merci beaucoup.